Ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu crois n'est pas juste, tes rêves sont pas vrais. On a vécu ensemble, on fait tout ensemble, et c'est ce que tu as fait, c'est toi seul qui le sais. Un coup tu es riche, tu veux tout contrôler. Même plus respecte, tu as trop changé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? Ton vie, ce que tu fais n'est pas bon du tout. Ce que tu crois n'est pas juste. Tes rêves sont pas vrais. Il est une race qui maudit son papa. Qui bénit point sa maman, qui se croit toujours pure. Les yeux sont vautrés et les paupières élevées. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? Non, vie, ce que tu fais n'est pas bon du tout. Ce que tu crois n'est pas juste. Avoir des jetons, tu as perdu tes parents à cause de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu fais ça? Yeah. Ne vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut emporter. La richesse est une couronne pour les sages. Mieux vaut peu avec la crainte de Jah qu'un grand trésor avec le trou. Mieux vaut de l'herbe pour la roture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la reine est là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés et se sont égarés loin de la foi. Pour toi, homme de Dieu, fils de Jah, fus ces choses. Recherche la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Je recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Jah, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en fassions. Je leur recommande de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie. Combat le bon combat de la foi, le vrai combat de Jah. Rastafari.